Good morgen, allez, Yiden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Dov, Ben Yehudi, Eviatar, Amram, Ben Chedva, Chay Esther, Bat Miriam, Yitzhak, Peretz, Ben Fortuna, et Chay Michael, Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions au Sechat Shabbat, Perek Yud Bet, Mishnah Aleph. Abonnez Kama Yivne, Veyehe Chayav, Kol Shehu, Va Mesatet, Va Makebe Patish, ou Be Maatzad. Hakodeach, Kol Shehu, Chayav. זה הכלל, כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף המכה בקורנס על הסדן בשעת מלאכה חייו מפני שהוא כמתקן מלאכה. Bon, alors on a, ça y est, on a fini dans la Mishnah précédente, on a complètement fini avec l'interdit de motzi, mirshut, mirshut, l'interdit de porter à Shabbat qui était très long, il s'est étalé depuis la moitié de Zayin, Chet, Tet, Yud, Yudalev, Kaprakinemi, sur Otsa. Ajouter à cela l'interdit de Bame Isha Yotza ou Bame Na Yotza, et en plus de ça, la première chaîne du point Bérec, il s'avère qu'on a peut-être le quart de Maserhat Shabbat qui est très longue, qui parle que de l'interdit de porter à Shabbat. Concrètement, on a fini maintenant l'interdit de Otsa, et du coup, on va découvrir maintenant tous les autres interdits. Pour rappel, dans la Perek Zayin Mishnah Bet, on avait la Mishnah de Avot Melachot, Arbaim Chasarachat, les 39 travaux interdits du Shabbat. Et on les a tous énumérés là-bas. Et du coup, maintenant, dans toute la Maserhet, il y a 24 prekim dans le Shabbat, on n'a pas encore atteint la moitié. On va tout au long de la Maserhet découvrir pour chaque Melacha, s'intéresser à la quantité requise pour transgresser, les conditions requises aussi pour certaines Melachot. Et voilà. Si ça vous intéresse maintenant de comprendre l'ordre selon lequel la Mishnah va énumérer et préciser davantage les Melachot, alors, c'est une grande galère. C'est-à-dire, la Mishnah, là-bas, elle avait évoqué 39 travaux type interdits. D'accord? Il y en avait 11 par rapport à l'agriculture et jusqu'à la fabrication du pain. La bourrée, semer, cueillir, et il y avait là-bas tous les trucs. Et après, on en avait... Il y avait des melachot par rapport à la fabrication des tissus, des fils. Et après, il y avait des melachot par rapport à la fabrication de la peau. Et ça se finissait, cette Mishnah-là. La fabrication de la peau, ça implique... La peau, le parchemin pour écrire. Donc du coup, on avait toute une nouvelle série, égorgée, dépecée, aplanir, toutes sortes de melachot, comme ça, qui était un bouton de ça, jusqu'à finir par Kotev et Mochek, écrire et effacer. Et après, il y avait Bonnet Soter, Mavir Mechabe, Makebe Patish, et Amotsi Mirshut Yirshut. Les derniers, en fait, juste pour le but de notre Mishnah maintenant, ça va être de parler de Bonnet, essentiellement. Construire, on va rentrer maintenant dans le sujet de construire. Selon ce quel ordre ça a été choisi, en fait, le partenaire explique. Le Tosot Yom Tov explique. On a fini toute la série là-bas, il y avait les 39. Le dernier, c'était Motsi Mirshut Yirshut, celui qui va porter à Shabbat, transporter à Shabbat dans le Shabbat public et tout ça. Et celui qui est juste avant, c'est Makeh Bepatish. On va le prendre en fait en reverse, à reculons, mais pas exactement à reculons, à reculons par groupe. C'est-à-dire, puisque tu vas vouloir maintenant parler de Makeh Bepatish, qui est un principe qui ressemble à construire, donc du coup, on va choisir aussi. Trois melachot qui sont semblables, construire, détruire, et Makebe Patish donner le dernier coup de marteau. C'est pour ça que ça a été sélectionné dans cette Mishnah maintenant. En première melacha qu'on va plus détailler, il y avait entre parenthèses une Mishnah dans Perek Yud, Mishnah Vav, qui parlait de Gozes, de couper les ongles. Là, c'était une autre histoire, pourquoi elle était casée en plein milieu. On n'a pas traité du sujet, mais voilà. Bon, donc maintenant, on commence à traduire directement. Abonné Kama Yune Veyechayav, celui qui construit à Shabbat. Combien doit-il construire pour transgresser l'interdit de Shabbat? Réponse, Kol Shehu, un tout petit peu. Le Bartanoa, le Tosfot Yom Tov explique, il rapporte la Gemara en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'important d'un tout petit peu? Il y a une règle. La Mishnah va nous donner une règle importante à la fin de la Mishnah en me disant tout ce que quelqu'un, le commun des hommes, a l'usage de considérer comme une melacha, de faire activement ce petit travail, c'est considéré comme un travail. Pour donner un exemple, planter des graines, on ne plante pas une seule graine de blé. Donc planter une graine de blé à Shabbat, on n'aura pas transgressé l'interdit de planter à Shabbat, Minatora, d'être condamnable sur ça, parce qu'on n'a pas transgressé, on n'a pas fait une quantité importante. Parce que personne ne plante une seule graine de blé. Il faut toujours planter quelque chose que les autres, que les hommes ont l'habitude de planter, malgré tout. Ça va pouvoir être toute sorte de quantité qu'on va découvrir. Par rapport à la construction, de nouveau, selon le même principe, il faudrait construire une construction importante. Ça veut dire quoi? Que si tu construis un tout petit peu, même un petit quelque chose, c'est une construction considérable. Et la réponse, elle est que l'Agma a dit,
Et il rapporte le Tosfot Yom Tov que, imaginez quelqu'un qui va aplanir un mur, on a eu un petit trou dans le mur, pour le boucher, on va prendre un petit peu de plâtre, on va fabriquer du plâtre, on va le boucher. Regardez qu'on est capable de considérer quelque chose de relativement infime, sur un petit centimètre sur un mur, et on va se casser la tête à le boucher. Donc, puisque maintenant, on a l'habitude de... on considère même un boucher un petit trou comme quelque chose d'important, du coup, on applique que n'importe quel trou à boucher ou petite construction aussi d'un petit... un petit peu de quelque chose de même, une petite quantité, on transgressera même l'interdit. D'accord? C'est ce que la Mishnah avait enseigné. Abonné comme Aïvne Veyechayav, celui qui construit, combien doit-il construire pour être condamnable? Réponse, elle est de Kol Shehoudé, qui va faire un tout petit peu. Idem aussi pour Vehamesatet, celui qui va tailler une pierre. Imaginez, vous voulez une pierre bien lisse, vous avez un petit truc qui dépasse, ça va vous énerver, vous allez vouloir l'aplanir. Donc, vous vous cassez la tête à aplanir quelque chose de même petit. On déduit de là qu'aplanir quelque chose, il y a même une quantité infime, c'est considéré comme important. D'accord? J'ai en tête, il y avait une fois dans une synagogue où ils avaient construit avec du marbre, je ne sais pas pourquoi, le marbre, il avait de temps en temps des petits trucs qui dépassaient, au lieu d'être bien lisse et bien propre, je ne sais pas pourquoi, il y avait des... Et je me rappelle, chaque fois que j'étais à côté de ce mur, machinalement, je cassais ce petit truc, quoi. Je cassais ce petit bout de pierre, je ne sais pas exactement c'est quelle impureté, comme ça, qui dépassait. Regardez que naturellement, on veut que la pierre soit bien lisse, selon le même principe. Donc, celui qui va tailler même un petit bout de pierre pour que la pierre soit parfaitement lisse, eh bien, il transgresse l'interdit de bonnet. Et encore, il y a maintenant de makeb patish plutôt pas bonnet. Excusez-moi, makeb patish, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La makeb patish ou bematzad, c'est ce qu'on découvre tout de suite. La makeb patish ou bematzad, celui qui va mettre le dernier coup de marteau, ou bien qui va le donner avec une hache. Et bien là, même de nouveau, même si c'est un tout petit peu, c'était pas tellement important en quantité, malgré tout, il transgresse l'interdit. C'est quoi Makeb Patish? Le cas type qui est rapporté, c'est lorsqu'on taille une pierre pour, en fait, pour la, dans une carrière, pour fabriquer une pierre, on prend un rocher, on va le tailler, on va préparer une pierre, et puis la pierre, on va la laisser encore rattachée en un petit endroit, de manière à ce qu'une fois qu'on est prêt à la transporter, on va la casser, on va finir de la casser, et on va la transporter. Finir de la casser, on la casse avec en général un petit coup de marteau, ou un coup même de hache parfois, si c'est un bois qui était presque sur le point de se casser, on a voulu lui donner le dernier coup pour qu'il soit prêt maintenant à être transporté, pour le paquet d'encombre. De là, on apprend l'importance de Maké Bepati, celui qui donne le dernier coup. C'est là une melacha qu'on retrouve dans des tas et des tas de situations dans Shabbat. Celui qui ne fait pas attention à ça, il transgresse facilement l'interdit de Maké Bepati, de donner le dernier coup de marteau, parce qu'en fait, par extension, on va déduire tout travail par lequel on va finir d'achever un ustensile et de le parfaire, on va transgresser l'interdit de Makeb Patish. À titre d'exemple, la Gemara rapporte par exemple, celui qui a un clou de girofle devant lui, qui va le casser pour qu'il ait une pointe pour se curer les dents avec. Il transgresse l'interdit de Makeb Patish. L'histoire, quand vous voyez des gens qui sont mahmirim de ne pas ouvrir les bouteilles, il y en a qui n'ouvrent pas les bouteilles en verre, en fer, d'autres qui n'ouvrent pas même le bouteille en plastique, et toutes sortes de... Tout tourne autour de, notamment, de cette question de Makeb Patish. Est-ce qu'on va considérer le bouchon comme un ustensile indépendant que l'on va finir de fabriquer au moment où on va ouvrir la bouteille? Donc du coup, on sera confronté à l'interdit de Makeb Patish. Ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de problème, c'est parce qu'ils vont considérer que le bouchon n'est pas un ustensile. Si toutefois on va fabriquer réellement un ustensile, imaginez, je ne sais pas moi, et la ganénette qui a demandé aux enfants de rapporter des pots de yaourt. Des pots de yaourt pour pouvoir faire une belle activité en classe. Et du coup, quand vous allez vouloir casser des pots de yaourt à table, et ben l'enfant il est là, il dit « Ah papa, super, comme ça je vais garder le pot de yaourt ». Celui qui va faire ça, c'est sûr qu'il va prendre un interdit de Makeb Patish. Parce que pour le moment, les pots de yaourt, ils ne sont pas séparés. Il y a là-bas d'autres problèmes, il y a des problèmes de méchater, mais en tout cas, par rapport à Makeb Patish, le fait de fabriquer un ustensile qu'on va considérer, ce qui permet éventuellement de casser les pots de yaourt pour ceux qui les cassent, personnellement je ne les casse pas, on les casse avant Shabbat, ou au pire, on les mange à tour de rôle, on prend chacun son pot de yaourt, et ben, vous avez un problème de nouveau, vous êtes en train de fabriquer un... Si on considère que c'est un ustensile qu'on garde, vous fabriquez un Makeb Patish. Il y avait le même problème avec les boîtes de conserve à l'époque. À l'époque, les gens, ils conservaient tout, d'accord? À l'époque du Chazon Ish, quand le Chazon Ish, il a parlé du sujet, c'est encore fréquent, je me rappelle, on avait, même quand j'étais petit, on trouvait fréquemment, quand même, on gardait des boîtes de conserve ouvertes, et puis on mettait dedans toutes sortes de clous et toutes sortes de... Si jamais l'intention, elle est de garder
de l'utiliser en tant que boîte pour l'utiliser, on trouve ça c'est interdit de Maccabée Patish. On est confronté très fréquemment à Maccabée Patish, c'est toujours le même principe, même si c'est rattaché avec un tout petit peu, on retrouve encore le même problème qui peut se retrouver encore dans les... C'est fréquent dans les papiers toilettes de Shabbat qui ont été mal coupés. Si toutefois on considère qu'il y a un problème de Maccabée Patish dans le papier toilette, c'est aussi, tout est discuté dans la vie, et dans la Torah. Et en tout cas, on est marqué aussi de ne pas couper les papiers toilettes. Notamment, alors on a maintenant, il s'arrête d'avoir des papiers toilettes qui sont coupés, c'est du papier toilette de Shabbat spécialement, il est déjà pré-coupé, il est déjà coupé, mais des fois il est mal coupé. Et puis on se retrouve avec des... dans des coins, ils sont encore rattachés, encore, ils n'ont pas encore été finis. Si vous faites ça, vous donnez le dernier petit coup de marteau pour fabriquer un cli, si on le considère comme un cli. D'accord? Je ne viens pas donner des cours de halakha là tout de suite, c'est juste pour préciser c'est quoi donner le dernier petit coup de marteau qui va mettre en fonction la chose. Ah! Un cas super aussi qui m'est arrivé, Shabbat dernier. Ma ceinture, ma belle ceinture du Shabbat, que dès qu'elle prend un coup, je ne sais pas pourquoi, elle se... Bon, prenez une ceinture que quand elle prend un coup un peu fort, la boucle se détache. Elle est sortie d'utilisation, elle n'est plus utilisable. Or, la boucle, elle n'est pas faite pour ouvrir et fermer. Si vous la remettez maintenant à Shabbat, de manière à ce qu'elle va rester comme ça pour tout le temps, vous retransgressez de nouveau l'interdit de Maccabée Patish. On transgresse Maccabée Patish encore, à titre d'exemple, vous avez acheté des belles chaussures, mais les lacets, ils n'avaient pas encore mis. Donc, vous avez une belle chaussure, mais qui n'est pas encore... entrer en fonction. Lui faire rentrer le fil de lacet dans les petits trous pour la première fois, ça fait transgresser l'interdit de Maccabée Patish parce que vous êtes en train de finir l'ustensile. Si vous avez déjà mis le lacet puis vous avez envie de le défaire pour le remettre pour X ou Y raison, il n'y a pas de problème. La chaussure était déjà un ustensile, le lacet était déjà un ustensile, il n'y a pas de problème de le remettre tant que c'est la même chaussure. Mais quand c'est pour la première fois, vous allez mettre en fonction la chaussure, vous transgressez de nouveau l'interdit de Maccabée Patish. La solution que certains proposent, c'est de sauter certains trous de manière à ce que c'est sûr que Shabbat, après Shabbat, vous allez re-enlever le lacet pour le remettre comme il faut. Dans ce cas-là, on ne transgresse plus l'interdit de Maccabée Patish puisque vous n'avez pas encore mis la chaussure en bonne fonction. D'accord? Et on continue maintenant la Mishnah. Akodéar Kolchehu, celui qui va percer même un petit trou de Kolchehu, même une quantité infime. D'accord? Il va faire un petit trou dans le mur. Ça arrive pour planter des fois un clou, on met un petit trou. Ouais, eh bien on transgressera même avec un petit trou. Chayav. Zeaklal, telle est la généralité. Kol aose melacha. Tout celui qui fait un travail. C'est une généralité qui va couvrir toutes les melachot de Shabbat. Kol aose melacha. Tout celui qui fait un travail. Ou melachto mitkayemet be Shabbat. Ou non. Ou melachto mitkayemet. Comment il faut le dire? Il y a un problème. C'est-à-dire kol aose melacha ou melachto mitkayemet be Shabbat. Le Béchabat, il se rapporte, exactement, c'est ce qu'il dit d'Israël, ça se rapporte au Kolaosé, c'est-à-dire Kolaosé, Béchabat, Melacha ou Melachto Mitkayemet. Le Melachto Mitkayemet, c'est pas quelque chose en Shabbat. J'explique. Tout celui qui fait un travail considérable, que ça, on a des gens sur Terre qui vont faire cette quantité-là sans avoir besoin d'en rajouter. Ils vont se contenter de faire cette petite chose-là. Eh bien, s'il fait ce travail pendant Shabbat, il est Khayav parce qu'il a fait une quantité importante. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit encore, sur le Maccabée Patish, je vais l'expliquer autrement. Afa Maccabée Kournas à la Sadan, même celui qui va mettre un petit coup de marteau sur l'enclume. Bishat Melacha, pendant qu'il fait le travail, Chayav et les Chayav, Ipneshou qui m'taken Melacha, car il est comme si qu'il répare un travail. On explique un peu de quoi on parle en fait. On parle de ceux qui travaillent l'or, qui veulent l'aplatir, le faire bien fin et lisse et propre. Ils ont un marteau spécial que, ou peu importe, l'aplatir, on peut travailler l'or avec un petit marteau pour le frapper. C'est tellement sensible et délicat qu'il faut que son marteau soit parfaitement lisse. Or, chaque fois qu'il a frappé, il l'a un petit peu déformé. Du coup, l'usage, il était de frapper le marteau fort sur l'enclume pour aplanir l'éventuelle petite, s'il a été un petit peu... courbé, incurvé, je ne sais pas comment dire, si c'est un peu déformé. Alors on a l'usage de mettre un bon coup sur l'enclume, comme ça, ça aplanit de nouveau le marteau. Tel est l'usage de ceux qui travaillent l'or, comme ça faisaient aussi les Bnei Israël lorsqu'ils étaient dans une barre, surtout quand ils veulent faire des plaques d'or très fines, qu'ils faisaient avec le marteau en les tapant dessus. Vous imaginez que si le marteau il a pris une petite encoche ou quoi que ce soit, ça peut nous faire un trou dans la feuille d'or. Donc en fait,
il mettait constamment quand on travaille l'or, on met un petit coup, et puis de temps en temps, on remet un coup sur l'enclume, sur un gros morceau de fer, pour pouvoir l'aplanir totalement. Comme ça, il ne risque pas d'avoir des petites béguimotes, des petites encoches. Et donc, du coup, celui qui va maintenant frapper sur le sadan, sur l'enclume, pour pouvoir aplanir son marteau à Shabbat, il transgresse aussi l'interdit selon Rabban Shimon ben Gamliel. Chachamim ne sont pas d'accord sur ça, mais c'est pas clair pourquoi. Je sais pas, ça n'a pas été précisé. Il y a tout ce Yom Tov qui prouve que c'est sûr qu'il y a une discussion sur ça, et qu'il n'y a pas une discussion dans la réalité. Est-ce que vraiment ceux qui travaillaient l'or au Batamim et chez Lozé, Chachamim, je sais pas. Chachamim considère que c'est pas une action assez importante, ça n'a pas été tellement précisé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.